Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour le tirage de la semaine, semaine du 15 au 21 novembre 2021. J'ai décidé de faire les tirages de manière pas individuelle mais par quelle heure est-il? Par élémentaux, pardon. Alors, bienvenue ici au signe de terre. Je termine souvent par les signes de terre, ou en tout cas, même le hasard a fait que ça termine souvent par vous, hein, les capricornes, les taureaux. Capricorne, taureau, et quel est l'autre signe de terre? Et les vierges. Vierges, je sens un petit peu différent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas autant similaire que les taureaux et les capricornes. Alors, on va regarder tout de suite quelle est la. Les messages avec plusieurs oracles, vous verrez. Je prends trois oracles. Alors, quel message pour les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, Vierge, Taureau, Capricorne, Vierge, Taureau, Capricorne, semaine du 15 au 21 novembre. 15 au 21 novembre. Qu'est-ce qu'on a comme message? 15 au 21 novembre pour les signes de terre. Ah, avec vous, ça saute. Hein. On va les couvrir pour le moment. Pour signe de terre, semaine du 15 au 21 novembre, taureau, vierge et capricorne. Ok. Donc j'ai fait tous les autres signes tout à l'heure. Les signes de feu, les signes d'air et d'eau. Signes de terre. N'hésitez pas à aller regarder si c'est votre ascendant, votre copain, etc. J'ai pas eu le temps de faire pour tous les signes, donc je vous dis que j'ai eu aujourd'hui des soucis. Je perds de plus en plus d'argent parce que j'ai un blocage sur ma chaîne depuis des mois et des mois et des mois. Donc quand c'est un blocage de magie noire qui existe, qui s'appelle la sorcellerie, que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, il y en a une qui l'a fait sur ma chaîne et je perds chaque jour de plus en plus d'argent et d'abonnés. Surtout d'argent, de vues, il y a des blocages en fait. Ma chaîne n'avance pas, vous avez vu, il n'y a pas de vues. 300 vues, c'est pas normal. Je l'ai dit pour les quatre signes aujourd'hui, j'ai mis un ras-le-bol sur ma chaîne Facebook et sur YouTube, dans la communauté. Je ne suis pas là pour me plaindre, non, mais elle a fait tellement de choses négatives et malsaines. Elle a fait des sacrifices d'animaux, elle fait continuellement chaque semaine des paiements pour qu'une personne me bloque ma chaîne et ça s'empire. Donc moi, au bout d'un moment, c'est j'en ai marre, c'est je stoppe quand ça va suffire et j'ai besoin d'aide parce que je donne beaucoup. J'ai besoin d'aide. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou une solution pour bloquer de la magie, je vous demande cette aide. Je vais la contrer. Je fais déjà tout ce que je peux. Pour le moment, c'est très puissant. Moi, je ne veux pas m'aventurer dans cette merde. La magie noire, je n'aime pas. Mais simplement, lui envoyant de l'amour, je ne sais pas si ça va débloquer mes finances. J'ai plus rien de nouveau. Vous voyez? Vous comprenez ça? Donc, je l'ai dit à tous les signes, je suis un peu fâchée aujourd'hui par rapport à ça, parce que ça baisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les gens, ils font que de parler, de se plaindre. Et sur ma communauté, il y en a une qui me dit « Ah, mais on en a marre d'entendre vos jérémiades, machin, on est là pour écouter des bonnes choses. » Et puis moi, je dois par contre écouter les jérémiades des gens qui se plaignent continuellement de leurs problèmes. Hein. Vous voyez comment c'est? Il y a où du donnant, donnant. Merci à vous tous. Signe de terre. Alors, signe de terre, je vais demander les énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre. 15 au 21 novembre, on continue. 15 au 21 novembre pour les signes. Alors, pas de commentaires négatifs, je vous en supplie. C'est déjà assez dur comme ça. Moi, je bloque. Hein. Maintenant, les personnes qui me comprennent pas, ben, tant pis, allez voir ailleurs. Des mois et des mois que ça dure, il faut que je trouve une solution. Vous vous laisserez pas faire, donc moi non plus. Tac. Signe de terre, 15 au 21 novembre. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne pour la semaine du 15 au 21. Alors, on va déjà regarder ces deux. Ensuite, une ligne avec les messages angéliques. Ces deux lignes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes dans l'impatience, d'accord. Ok, oui. Bon, voilà. Je suis peut-être impatiente. Impatiente après 8 mois, alors que j'ai bientôt plus rien sur mon compte qui revient de mon travail. C'est difficile d'être dans la patience. Ouais, il y a du retard dans les nouvelles. J'ai toujours pas de nouvelles.
C'est ça aussi qui est bizarre. Donc, on nous dit qu'il y a de l'impatience par rapport à quelque chose. Beaucoup de signes de terre attendent quelque chose, attendent sur des résultats, attendent sur des réponses, sur plein de choses juridiques, messages, lettres, etc. Oh! Eh bien, il y aura un miracle, a priori, qui va se passer. Bon. Alors, est-ce que la semaine prochaine, un miracle sera réalisé par rapport à vos attentes? Est-ce que ces nouvelles vont arriver? C'est possible. Ah! Grande gratitude. Grande gratitude, mais vous êtes dans l'aigre-doux. Alors, miracle, vous comprenez? L'impatience, on veut atteindre quelque chose qu'on ne peut pas. Dieu est derrière nous, là, l'image transparente pour nous dire, attends encore, peut-être que l'univers travaille pour nous, ou il y a une raison. En tout cas, moi, je ne comprends pas ce retard. On sera dans la gratitude. Là, on voit les amis qu'on prend autour de ses bras. On est, ou on nous demande d'être dans la gratitude, les signes de terre, pour ce miracle qui arrive, peut-être justement. Vous n'y croyez plus, comme je viens de vous dire, et ça tombe. Pour moi, je suis Capricorne, hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, normalement, un miracle, depuis le temps que je le dis, octobre, novembre, septembre même, du courrier qui devrait amener des bonnes nouvelles. Et même les autres partenaires qui font YouTube, ben, il n'y a rien. Ils le disaient la même chose, il n'y a rien. Je ne sais pas si les autres, Capricorne ou Taureau ou Vierge, ont eu des nouvelles, mais en tout cas, les Capricornes qui devaient en avoir. Que dalle. Soyez vraiment dans le remerciement parce qu'il y aura quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire énormément plaisir. Mais on dit aigre-doux, donc ça va vous plaire moyennement. Bon, parce que là, par exemple, elle veut faire plaisir avec un gâteau, la personne, elle n'est pas super contente. Je dirais, elle n'est pas en train de sauter de joie pour son anniversaire, par exemple. Hein. C'est ce que je peux voir. On cherche la paix, on cherche à être bien. On dit aigre-doux. C'est une énergie, on sera moyen par rapport à cette réponse, par rapport à ce miracle. On va être effectivement dans la reconnaissance. Cette carte, c'est je reconnais le bien-être, le bienfait que je vais recevoir. C'est je dis merci. Merci, merci, merci. Vous voyez? Je vais devant un prêtre, je remercie, je vais devant Dieu, je remercie, je baisse la tête. Ou vous avez une reconnaissance. Ou c'est une personne, vous avez soit une reconnaissance la semaine prochaine importante de qui vous êtes. On a le chakra du cœur en premier déjà, je voulais vous dire, mais on voit la couleur verte. Donc, on nous parle de relationnel, d'amour, hein? Gratitude, encore une fois. Gratitude, encore une fois. On vous serre dans les bras. Par rapport à quelque chose de nouveau qui se profile, hein, une femme enceinte là, il y a peut-être de la, on dirait de la reconnaissance ou de la gratitude par rapport à ce qui va arriver. Il y a quelque chose qui arrive, ouais. Parce qu'après impatience, miracle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive pour les signes de terre. Ça va toucher l'amour, donc des gens autour de vous pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'on vous reconnaît, reconditionne. Parce que là, c'est pas vous, en fait, c'est quelqu'un qui a, on dirait un juge, qui est devant vous, en train de dire oui, tu avais raison, oui, on reconnaît tes mérites, oui. Ça peut concerner les finances, et c'est exactement ce que je vous ai dit, ma situation, mais je ne veux pas parler de moi, hein. En général, les signes de terre, il y a peut-être des difficultés financières, vous pouvez mettre en commentaire. Mais vous allez être satisfait, même s'il n'y a pas beaucoup. Voilà. De ce que vous avez, ça vous suffira. On va dire quelque chose comme ça. Il n'y a pas une abondance qui tombe du ciel, non. Il y a des difficultés financières, mais vous êtes heureux, vous rayonnez. Ce qui est le plus important, c'est votre aura. Vous êtes reconnu, vous êtes dans la gratitude. On vous apprécie, on vous aime. Vous allez briller. Bah oui. Le plexus solaire, c'est vous brillez, vous êtes reconnu, on vous croit, on vous écoute. J'espère que vous allez m'écouter aujourd'hui. Signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, semaine du 15 au 21 novembre. 15 au 21 novembre. 15 au 21 novembre pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne.
Ouais, plexus solaire, c'est vous allez rayonner. On va vous voir, on va vous entendre, on va entendre parler de vous. On va vous reconnaître à votre juste valeur, que vous êtes dans le juste. C'est ce que je dis depuis des mois et des mois. On nous dit, attends, encore une fois, patience, hein. Encore une fois, patience. Soit dans la méditation, dans le calme, pour recevoir les réponses. On nous dit un grand oui, il y a un miracle qui arrive, quelque chose pour toi, à nouveau dans le futur proche. Donc peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'on nous dit impatience sur le miracle, il y a quelque chose qui va arriver, oui, vous serez gratifié, vous serez reconnu, on va vous mettre au nu, mais on nous dit d'attendre encore. Donc peut-être pas la semaine prochaine les nouvelles, peut-être pas l'argent la semaine prochaine, d'attendre. Posez-vous, réfléchissez, on nous dit un grand oui à ton miracle, un grand oui à la reconnaissance. Et puis on est dans le futur proche, donc ça peut être peut-être fin novembre, qui sait. On va voir ici avec quatre cartes et ensuite sentimental et on a fini. Donc pour les signes de terre, pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme message? Signes de terre, taureau, vierge, capricorne, taureau, vierge, capricorne, signes de terre, semaine du 15 au 21 novembre. On va voir. Je voulais regarder la coupe, mais après je dis non, ça sert à rien, je ne vais pas m'embrouiller. Et je ne vais pas faire des vidéos longues. Vous imaginez si je devais faire 12 vidéos? Ça prend. Aïe, aïe. Beaucoup de temps, moi en un jour, je peux pas. Alors, du côté matériel, oui, il y a bien des nouvelles, hein. Il y a bien des nouvelles qui arrivent. Il y a bien quelque chose qui est... Là, on ne me dit pas nouvelle, on me dit miracle. Il y a un coup de fil, une lettre, ce que vous attendiez depuis impatiemment, depuis très longtemps, où vous avez attendu beaucoup, hein, qui arrive. Donc ça peut être effectivement la nouvelle, mais peut-être pas encore le concret, qui concerne vous, votre foyer, votre maison, votre intégrité. On dit qu'avec cette nouvelle, vous aurez des choix, un choix à faire ou prendre une nouvelle porte. Ok. Ok, peut-être quitter un endroit, peut-être aller dans une autre direction professionnelle, je ne sais pas dans quel domaine c'est, pour un nouveau départ. Ok, c'est important ça. Donc vous serez content de ces nouvelles, je dirais moyennement content, peut-être qu'il n'y aura pas tout ce que vous espériez, mais vous allez devoir prendre une nouvelle voie. Ok, c'est important de noter. Je vous expliquerai pourquoi, c'est aussi à cause de mon coup de gueule contre YouTube. Hein. Et je ne suis pas la seule, j'ai eu une collègue qui a aussi fait quelque chose sur sa communauté où elle disait qu'elle en avait marre. C'est très négatif hein, ici, YouTube. Mais il y a aussi des belles âmes. Il y aura un choix à faire, donc peut-être quitter. On verra pour aller vers d'autres lieux. Il y a beaucoup de plateformes maintenant pour faire les vidéos. Sentimental. Semaine du 15 au 21 novembre pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Niveau amour. Au niveau relationnel hein, aussi. Taureau, vierge, capricorne, 15 au 21 novembre. Il y a la chance dans une relation. Bon, pourquoi celui-là qui sort en dernier? On nous dit, vous avez de la chance, les signes de terre, de faire une rencontre, peut-être même construire un couple. Ça peut se faire, peut-être pas tout de suite, il y a aussi cette notion de patience. Hein. Il y a vraiment les Capricornes, les signes de terre qui sont mis à rude épreuve par rapport au temps. Alors, soit quelqu'un que vous connaissez depuis 3 mois, parce que des fois cette carte, c'est ce qu'elle nous dit, ou dans 3 mois. Il y aura une nouvelle rencontre pour pouvoir former visiblement un couple, mais cette personne sera quand même assez séductrice. Donc, faire avec, si ça vous va, les signes de terre. Voilà, mes chers amis, merci de m'aider si vous avez des soutiens ou des aides par rapport à ma demande. Merci pour vos retours sur ce tirage de la semaine et belle semaine. À bientôt. Au revoir.